pour que ce soit pas trop officiel, on a prévu notre présentation sous forme d'un dialogue, étant le jeune et ayant beaucoup à apprendre d'Yves, qui n'est pas le vieux, mais qui est le sachant. C'est moi qui vais poser les questions à la manière d'un journaliste. Et simplement pour présenter, pour introduire le collectif vraiment très rapidement, et puis après on va rentrer dans le vif de l'exposé, vous dire que c'est un collectif de personnes, un collectif interdisciplinaire qui rassemble les différentes disciplines autour de l'espace et du paysage. Vous voyez ici une photo prise lors de notre assemblée, la seconde assemblée générale à la Cité des paysages à Sion, il y a 3 semaines de ça. Donc, comme on s'appelle le collectif Paysage après pétrole, en abréviation, ça fait collectif pape. Alors on fait un peu les fous, et donc là, on fait semblant de prier. Ce collectif, le point de départ, tout a commencé d'abord, on a eu une phase des prémices pendant 2 ans sous une forme assez informelle, avec initialement une aventure qui nous a pris un peu dépassé, parce qu'on a commencé par lancer l'idée nous a été proposé de publier dans une revue qui s'appelle la revue Passerelle, qui est éditée par Ritimo, un numéro consacré à ce thème, paysage après pétrole. Et donc on avait rassemblé un collectif d'auteurs, et de fil en aiguille, c'est ce collectif d'auteurs qui s'est transformé en ce groupe qui a aujourd'hui une forme associative. Et puis la revue ayant trouvé son auditoire, on a eu envie d'aller plus loin, et donc une étape importante pour nous a été un colloque à l'Assemblée nationale en novembre 2014, et ensuite la création de l'association. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet sur notre exposé qui porte sur les enjeux et les perspectives des paysages après pétrole. Et je me tourne vers toi, Yves, est-ce que tu as préparé une intervention où tu vas traiter de l'opportunité que peut représenter la transition énergétique pour repenser la qualité paysagère et humaine des territoires? Alors effectivement, c'est un peu en décalage peut-être avec l'approche classique. L'approche paysagère classique, mon propos, en fait, sera de montrer en quoi la transition énergétique peut être facteur à la fois d'une dynamique citoyenne forte et d'une approche spatiale de qualité. Voilà. Dans le but de créer, nous, ce qu'on appelle les paysages de l'après-pétrole. Alors, pourquoi cette notion de paysage après pétrole, d'où vient ce concept un peu farfelu à première vue? Alors, les raisons, j'irai très vite là-dessus. Bon, la première, c'est sûr que, avec l'engagement de freiner le réchauffement climatique à 2 degrés, prise notamment à la COP 21, ça oblige de réfléchir à la transition qui va concerner à la fois nos choix économiques, nos modes de vie et les paysages dans lesquels nous allons vivre. Et la deuxième raison forte, je dirais que c'est tous les dégâts, hein, les dégâts provoqués par l'ère du pétrole, hein, sur les configurations territoriales, sur le gaspillage des terres, sur les déséquilibres sur les écosystèmes, l'épuisement des ressources, etc. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les conséquences que l'ère du pétrole a apportées sur nos territoires. Je me réfère à cet ouvrage, Aménager les paysages, écrit par Aménager les paysages de l'après-pétrole. Écrit par Régis Ambroise et Odile Marcel, et en particulier sur la première partie, intitulée Les paysages en miettes. Voilà. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Je dirais simplement que parler des paysages de l'après-pétrole, c'est vouloir lutter contre ce que j'appelle les comportements de domination territoriale. Qu'il soit économique, qu'il soit financier, intellectuel, individualiste, et c'est lutter aussi contre les attitudes de prédation, de consumérisme effréné et de manque d'empathie pour la nature et pour les autres.
c'est remettre, je dirais que c'est remettre à l'honneur la notion de bien commun dont on parlait ce matin. Alors on voit bien quelles évolutions que va connaître notre monde avec ce tableau que tu dresses, mais comment et pourquoi anticiper ces évolutions plutôt que de les subir? Alors, moi je dirais que nos paysages de vie quotidienne, nos paysages de nos déplacements, de notre travail, de nos loisirs, de nos lieux d'attachement, tous ces paysages, en fait, se réfèrent à des territoires singuliers qui ont une géographie qui leur sont propres, un socle morphologique, naturel, travaillé par des histoires humaines. Hein, ce sont des réalités sociales, économiques, qui, ensemble, font les paysages. Et donc, moi, j'ai tendance à dire que ces paysages sont l'expression d'un rapport entre un corps social et un corps territorial qui leur sont propres. Et c'est bien ce rapport entre ces deux notions de corps, corps social et corps territorial, qui donne la personnalité de chacun des territoires. Et avec l'ère du pétrole, je dirais que beaucoup de territoires, à des degrés d'ailleurs différents, ont subi des formes de dénaturation, oui, c'est ça, qui ont rompu la bonne harmonie entre corps social et corps territorial. Et on en connaît les graves conséquences, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources, la dégradation climatique, les catastrophes naturelles, une dégradation sociale marquée par un individualisme très important, un repli sur soi et des cloisonnements de toute nature. Et je crois que ce qui est important de considérer, c'est que la santé du corps territorial et du corps social qui s'est vraiment détériorée. Et on le sait, la dégradation de l'environnement comme la dégradation des valeurs humaines et éthiques sont intimement liées. Et je ferai référence pour ça à l'encyclique Laudato Si, qui est probablement le texte le plus fort, pour montrer les interactions entre les systèmes naturels, entre eux, et avec les systèmes sociaux. Et il insiste, insiste sur le fait qu'il est fondamental de promouvoir une écologie intégrale qui intègre les dimensions humaines et sociales. Voilà. Je crois qu'il est urgent de venir au chevet, vous voyez, de ces phénomènes, de bien les diagnostiquer et de traiter à la fois le corps territorial et le corps social qui sont extrêmement dépendants et qui agissent en interaction. Voilà. Alors, tu nous as parlé des phénomènes qui peuvent conduire à un état dégradé de ce corps social et territorial, mais quelle serait pour toi une bonne santé de ces deux corps? Alors, on peut essayer. Alors voilà, moi je dirais que la bonne santé d'un corps territorial, c'est un agencement équilibré et harmonieux de toutes les fonctions qui organisent la vie, en lien avec les caractéristiques et les ressources propres à la morphologie des lieux, aux richesses naturelles, aux richesses environnementales, aux écosystèmes, et dans une capacité aussi d'échange à peu près équilibrée et équitable avec les autres territoires. Voilà comment je définirais la bonne santé du corps territorial. Je pense qu'on peut en discuter. Et la bonne santé d'un corps social, c'est le vivre ensemble, le partage de projets en commun, l'attention portée au bien commun, on disait ce matin, l'attention portée aux autres et aux plus démunis, la qualité des liens sociaux, la recherche de plus de justice
et d'égalité, l'art de la sobriété, la lutte contre le gaspillage, l'ouverture au monde et le bien-être pour tous. Voilà un beau programme. Merci. Alors, un corps, ça se soigne. Comment faire pour soigner ses corps et puis mieux penser leur articulation? Et puis, à quel moment est-ce qu'intervient la notion de paysage aussi? Alors, je dirais que c'est par une vision globale de l'espace et d'un territoire qu'on peut améliorer l'harmonie des lieux et le vivre ensemble. Améliorer cette relation entre les deux en traitant de la question de la multifonctionnalité des territoires, en traitant de la transversalité, de faire travailler les choses ensemble, en traitant de la beauté, il ne faut pas oublier cette question, la question esthétique, et en réintroduisant des considérations, des approches sociales, culturelles, artistiques, sensibles, et ça c'est essentiel, en offrant à chaque citoyen la possibilité d'être lui-même acteur des transformations. La finalité essentielle, c'est l'humain. Et c'est pourquoi nous on parle volontiers du paysage humain. C'est ça qui nous semble important. Paysage humain, c'est-à-dire celui qui reflète un vécu des lieux de qualité. Je comprends. Et ta description du paysage humain me fait penser à cette citation de Kenneth White que tu avais mis en exergue dans ton article, un article qu'on trouve au début de cette revue qui parle des rapports intimes de l'homme et du paysage. J'en profite pour dire que tous les articles de la revue sont téléchargeables en PDF sur notre site internet. Et donc Kenneth White, dans sa citation, dit ceci: c'est sur le rapport entre l'esprit humain et la terre qu'émerge le souci du monde. Quand il dit souci du monde, on pourrait y mettre la notion de projet de société. Et quand le contact est subtil, sensible, intelligent, nous avons un monde au sens plein du mot, c'est-à-dire agréable à vivre et favorisant un épanouissement de l'être. Alors, ce cadre étant posé, maintenant, il faut qu'on arrive à en venir au vif du sujet qui nous rassemble. On a parlé de la nécessité et de l'urgence de retrouver une compatibilité entre la réalité de la Terre, du monde vivant, et cette ambition désormais partagée d'affronter la transition. Mais si on peut voir ça comme un défi qui se pose et qui est une nécessité, donc parfois même une contrainte, toi tu aurais tendance à dire que cette transition énergétique, ça, on peut aussi y voir une opportunité pour repenser la qualité paysagère et humaine de nos territoires? Alors, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Alors, moi je pense que la transition énergétique peut devenir une opportunité parce qu'elle conduit, on l'a vu un peu ce matin, à transformer très fortement, puissamment, notre cadre de vie et nos modes de vie. Voilà. Elle repose sur les trois piliers qui a été bien présenté ce matin. La sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, le recours aux énergies renouvelables. Et cela passe par des changements de comportement, que ce soit des changements de comportement d'achat, de comportement de consommation, de comportement de déplacement, par de nouveaux modes d'habitation, par des économies énergétiques, par le recours à des énergies nouvelles, par des relocalisations économiques, par la valorisation de filières locales, par le développement de circuits courts, etc. Autant de changements qui sont susceptibles d'être, à mon avis, des améliorations, des facteurs d'amélioration du corps social. Voilà. Surtout si ces changements sont portés très largement par les citoyens, par les institutions et par les entreprises locales. C'est une des conditions majeures. Et c'est bien le partage, comment dire, d'objectifs communs, de démarches collectives, de co-construction,
d'usage et de ressources communes qui fait corps social. Exemple d'objectif commun, c'est sur un territoire, avoir vraiment se donner une politique qui entraîne tout le monde sur économiser la consommation et réduire la facture énergétique. Exemple de démarche collective, c'est les groupes de famille à énergie positive. Exemple d'usage de ressources et de ressources communes, ce sont les chaufferies bois et l'organisation de la valorisation du bois énergie sur le territoire. L'exemple de co-construction, ce sont des centrales villageoises photovoltaïques, c'est l'actionnariat citoyen, etc. Donc on peut citer quand même beaucoup d'exemples que l'on trouve aujourd'hui dans les territoires. Et quelles vont être les incidences de toutes ces transformations sociales sur le paysage ? Alors, je dirais que si l'apport de la transition énergétique peut être vertueux sur le corps social, il n'en est pas de même obligatoirement sur le corps territorial. Il y a évidemment, et on le sait, un danger que cette transition soit traitée d'une façon technique, sur la base de modèles, de modèles normés, plaqués sur un territoire en s'affranchissant plus ou moins des réalités du milieu. Et on peut assister à une somme de solutions techniques sans lien les unes avec les autres ni avec le territoire. Voilà. Donc si la transition est peut-être vertueuse sur le plan du corps social, elle n'est pas forcément sur le plan du corps territorial. C'est pourquoi on dit que la transition énergétique doit vraiment se construire sur la base d'une approche spatiale. Et pour ça, il faut d'abord s'appuyer sur les domaines de transformation qui ont un rapport direct avec l'espace, tels que l'implantation des énergies nouvelles, la remise en gestion des bois et des bocages, la réorganisation foncière et le changement des cultures agricoles et des modes culturels, l'évolution des formes urbaines des villages, des villes, des périphéries, des quartiers, les plantations d'arbres, la végétalisation des espaces urbains, l'usage de la pierre sèche plutôt que du béton, l'adaptation des espaces publics, leur mode de gestion, l'implantation d'infrastructures de circulation douce et collective, la réorganisation d'espaces de travail ou d'habitat. Voilà, il faut prendre tout ça en compte, qui vont forcément des impacts sur ce que j'appelle le corps territorial, et sur ces domaines de transformation, prendre en considération l'histoire du territoire, sa géographie, ses ressources, l'usage de la terre, l'usage de l'eau, l'usage de l'air, de l'ensoleillement, les données patrimoniales, les données organisationnelles propres au territoire, les organisations sociales, les savoir-faire, les situations sociales, les ressources humaines, etc. Donc il faut croiser ces éléments avec les données caractéristiques et spécifiques de chacun des territoires. De manière, et c'est bien là toute la démarche aussi du collectif, de manière, de contextualiser le projet de transition énergétique sur le territoire en question, de renforcer les approches intégrées et multifonctionnelles, 3, d'impliquer les populations, et 4, je dirais, d'adjoindre une considération qualitative et esthétique à la nouvelle organisation fonctionnelle des territoires. Voilà. Et c'est l'interaction entre un mouvement citoyen de réappropriation locale des enjeux énergétiques et l'attention portée à la qualité du cadre de vie et au bien commun qui va constituer les paysages de l'après-pétrole. Voilà. Alors, on comprend à t'écouter que le paysage est l'expression des formes sociales elles-mêmes, telles que nous ont élaboré les groupes humains, d'ailleurs, pour provoquer un peu dans cette vision. J'aurais envie de te demander, on va peut-être garder cette question pour la fin, mais sinon l'Assemblée nous la posera,
à quel moment intervient du coup la pratique professionnelle du paysagiste, si c'est juste la, comme ça, une échelle de cohérence d'ensemble selon laquelle les décisions humaines s'inscrivent dans l'espace. Mais pour garder le fil de notre propos, je voulais te demander, du coup, quels sont pour toi les territoires qui seraient les plus appropriés pour porter cette dynamique sociale et territoriale que tu décris. Bon, bah là, on va faire un petit clin d'œil quand même. Hein. C'est, bon, sens, c'est, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les territoires à énergie positive, les territoires TEPOS, les territoires TEPCV, qui sont des terrains qui sont sûrement très favorables pour essayer de créer cette interaction que j'ai développée. Voilà. Et que, en fait, il s'agit en bonne partie, hein, il s'agit en bonne partie de relocaliser les lieux de production énergétique, hein, et donc de rapatrier sur le territoire des richesses, hein, des richesses économiques importantes, et d'imaginer des modes de vie plus économes. Je crois que c'est bien l'objet de ces territoires et de ces programmes. Je donnerai un exemple. Sur le pays de Midi-Quercy, hein, la facture énergétique, c'est 50 000 habitants. La facture énergétique du territoire, c'est 130 millions d'euros qui partent à l'extérieur. Voilà. Et un premier objectif donc, que s'est fixé ce territoire, en 2030, c'est d'en récupérer 26 millions par le développement des énergies renouvelables adaptées au territoire. Alors, ils ont beaucoup développé les conseils en énergie partagée, la rénovation thermique des bâtiments, le photovoltaïque, la filière bois, l'hydrothermie. Hein. Et cette récupération du flux financier est au bénéfice du territoire et peut être réinvesti localement pour créer de la richesse, hein, réaliser des investissements, adapter et former les entreprises, c'est ce qui commence à se faire dans le Midi-Quercy, hein, et créer de l'emploi. Voilà. Donc, je pense que pour réussir un peu l'interaction que l'on a évoquée, il faut inventer un nouveau modèle, hein, d'organisation de territoire en touchant le plus grand nombre d'habitants et d'acteurs locaux. Voilà. Alors, avec cette approche intéressante qui place le paysage entre le corps social et le corps territorial, on donne au paysage une dimension plus large, qui le renforce en l'intégrant davantage dans ce qui fait la vie des territoires. Tu montres aussi le lien très fort entre transition énergétique et transition sociétale, mais la question qui vient maintenant en tête, c'est comment concrètement aborder ce type d'approche sur les territoires, comment on fait pour que le paysage soit réellement un fil conducteur pour penser le développement durable des territoires. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus dans le collectif PAP. On pense qu'il est important de s'appuyer sur des référentiels qui apportent un peu un fil conducteur permettant de prendre en compte tous les éléments fondateurs du paysage de l'après-pétrole. Donc l'important, c'est de croiser, je dirais, deux familles de critères. Les critères des domaines qui sont liés aux fonctions humaines qui organisent la vie sur un territoire et les critères qui sont liés aux approches paysagères que l'on connaît, hein, pour inscrire les fonctions humaines dans une réalité territoriale singulière. Voilà le principe de la démarche, hein, qui nous semblerait important, qui nous semble important d'engager. Alors, on s'appuie actuellement sur à la fois sur un référentiel que le collectif a travaillé. On a travaillé sur un référentiel dans le but d'analyser et d'évaluer les expériences européennes. Et on travaille aussi sur
un référentiel qui émane de la transposition contemporaine de l'allégorie des effets du bon gouvernement de Lorenzetti. C'est une peinture qui date de 1340 et dont la transposition contemporaine a été réalisée, a été menée par un consultant qui s'appelle Julien Dossier, que beaucoup connaissent sans doute, hein, qui est consultant en stratégie bas carbone, qui enseigne sur la ville durable, je crois co-directeur du programme EcoCity. Voilà. Alors, ces référentiels regroupent des domaines qui concernent la vie des gens, la vie des organisations, la vie des entreprises, des modes d'aménagement et des modes de développement, et sur lesquels, évidemment, la transition énergétique va apporter des changements. Alors, ce sont, pour le référentiel qu'on a travaillé au sein du collectif, c'est des référentiels qui sont liés aux nouveaux modes d'organiser, nouveaux modes d'habiter, nouveaux modes de consommer, nouveaux modes de produire, nouveaux modes de se déplacer, de se chauffer, d'éduquer, de vivre ensemble, de se soigner, de gérer les ressources et les milieux naturels, et de se ressourcer. Voilà les référentiels sur lesquels on est en train de travailler. Ceux du référentiel que propose Julien Dossier dans son travail d'actualisation de la fresque du bon gouvernement sont plus larges. Il en a établi une liste composée de 24 champs qui relèvent à la fois des transitions énergétiques, des transitions écologiques et transitions sociales, et sur lesquelles les transitions apportent de nouveaux paradigmes. Alors je ne vais pas vous l'évoquer, s'il y a des questions là-dessus, on pourra en parler. Ce qui veut dire qu'il nous semble qu'il y a, deux types de travaux à mener en parallèle, et en mobilisant et en donnant envie au plus grand nombre de gens d'y être acteurs. Parce que ça, c'est une condition absolument essentielle. D'une part, il y a le travail sur les changements de mode de vie, les changements sociétaux, auxquels appellent les transitions énergétiques et écologiques. D'autre part, il y a un travail sur l'inscription de ces changements sociétaux dans les réalités spécifiques qui sont propres à un territoire. Voilà. Alors, je dirais que tels sont un peu les travaux que tout territoire peut se donner en adaptant, selon ses particularités géographiques, historiques, culturelles, sociales, les différents champs de changement qui le concerne le plus, hein, parmi ceux qui sont proposés. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner qui nous permettraient de nous rendre compte des nouveaux types de paysages plus harmonieux, peut-être, que peut apporter cette transition énergétique par rapport à ces champs que tu citais? Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que, mais Baptiste le dira, on est en train d'essayer de recueillir beaucoup d'images. Mais on ne les a pas encore, donc je ne peux pas vous les présenter. Voilà. Mais ça viendra, ça va venir. Et surtout, sûrement parmi vous, vous en avez d'ailleurs. Voilà. Mais bon, sur les travaux qui sont menés, on peut en lister beaucoup. On peut lister le travail, par exemple, sur la question agricole, sur la recomposition parcellaire, de manière à produire, évidemment sans engrais, sans pesticides, avec peu de mécanisation, en promouvant les pratiques d'agroécologie, en instituant un système de nourriture de boue, de circuits de proximité, etc. On peut dire, travailler aussi sur la manière de se passer des énergies carbonées, hein, par une exploitation intelligente de toutes les ressources renouvelables qu'offre un territoire. Voilà. Travailler sur un ancrage économique territorial,
je ne développe pas, mais on pourrait dire beaucoup de choses, sur comment composer l'espace urbain en utilisant des ressources naturelles, hein, comment créer des mécanismes de démocratie directe qui permet, en donnant un peu la voix aux citoyens, et surtout pour que cette voix participe à la prise de décision, hein, comment concevoir autrement l'urbanisation des villages, des bourgs, des villes, de leur périphérie, etc. Agir sur l'éducation, agir sur la relation, hein, entre citoyens et paysages, hein, redonner de l'importance aux rapports sensibles, etc. Donc il y a énormément de domaines à travailler, et ce qui est important, c'est pouvoir leur donner un visage, montrer à quoi ces transitions pourraient, avec les changements qu'elles apportent, hein, pourraient ressembler. Alors, les images, parce qu'on a quand même une catégorie d'images, hein, dans une salle qui est à côté, les images du scénario Aster 2050, qui a été travaillé par, par Soladro, qui a été illustré par Initial et soutenu par le collectif, hein, sont très démonstratives à cet égard. Je vous invite à aller les regarder, puisque ils ont travaillé sur trois régions, hein, qui est la Beauce, hein, ce que peut-être l'image et le paysage d'une agriculture 2050 en Beauce, en Thiérache et sur la métropole parisienne. Hein. Vous avez les trois grandes images qui sont dans la salle au fond. Voilà, il y a ça. Il y a aussi l'allégorie paysagère, hein, révélant la transposition contemporaine de la fresque du bon gouvernement. Alors, elle n'est pas affichée. Hein, elle est derrière. Elle est derrière. Hein, voilà. Il y a ça. Et c'est une manière aussi, hein, de travailler sur une représentation spatiale harmonieusement équilibrée. Hein, sur les différents types de changements qu'apporte la transition à la fois énergétique, écologique et sociale. On est en train de travailler sur ces questions-là. C'est aussi à partir évidemment des expériences les plus abouties, hein, dans tous les domaines, que ce soit sur l'agriculture, sur l'énergie, sur l'habitat, sur l'économie, sur l'éducation, sur la démocratie, qu'il est possible de se rendre compte du type de paysage nouveau, hein, c'est-à-dire celui d'un vécu humain de transition qui sont maîtrisés et voulus par les citoyens. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont vu le film Demain, mais le film Demain est très démonstratif à cet égard, hein, parce qu'il apporte des images correspondant à des dynamiques de transformation qui sont très engagées. Voilà. Alors, nous, on a tendance à dire que, eh ben, on doit ou on peut offrir aux territoires de concevoir leur propre image, hein, en identifiant et en travaillant les domaines de changement à partir des caractéristiques et des ressources historiques, humaines, etc., propres à chaque territoire. Par exemple, en repérant dans le paysage les composants de notre référentiel ou de la fresque, hein, et en imaginant comment les changements apportés par la transition énergétique pourraient faire évoluer les paysages du territoire. Voilà. C'est la possibilité donnée à un territoire, hein, de concevoir sa propre fresque du bon gouvernement, c'est-à-dire de concevoir le village d'une transition réussie sur le territoire. Et on peut aussi, évidemment, c'est aussi en repérant sur les territoires, hein, sur le terrain, les initiatives intéressantes qui existent, parce qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives intéressantes sur le territoire sur lequel on travaille, et des initiatives
qui relie la question du paysage et de la transition. Donc c'est important d'identifier hein, toujours ces initiatives, d'identifier les acteurs locaux qui les portent, qui sont engagés dedans, et de mener une démarche un peu participative sur le terrain pour donner un regard commun hein, à partir des expériences locales, à partir de la parole des acteurs, à partir du ressenti des gens sur le terrain. Et c'est aussi ça qui permet de générer positivement, je dirais, des questions de transition et de paysage. Voilà. Merci. Alors, tu as évoqué beaucoup de pistes. Enfin, tu as déjà évoqué pour partie des projets portés par notre collectif. Il va être temps de conclure. Et puis peut-être qu'on pourra revenir dans les galères de temps de question sur ces projets. Qu'est-ce que tu voudrais me dire pour terminer, du coup? Je pense qu'on peut dire que il faut être très ambitieux. Voilà. Et que... c'est l'élaboration de nouvelles visions d'un futur possible. Si elle est assez puissante, c'est elle qui est capable d'entraîner les territoires et d'entraîner les habitants, les acteurs, dans la voie de la construction d'une société nouvelle. Voilà. Et c'est un peu ça que j'ai envie de dire, un peu à l'instar de ce que le rêve du progrès a suscité aux inconquêtes. Je crois qu'on est à un passage qui est très important et qui peut être très important. Je dirais aussi qu'il y a une corrélation très forte entre la manière dont un territoire va utiliser ses ressources pour engager les transitions et le paysage humain et écologique qui va le caractériser. Et je dirais aussi que c'est, je terminerai dessus, c'est le degré d'appropriation citoyenne qui est fondamentale, hein, l'appropriation citoyenne territoriale des transitions qui va dicter le paysage de demain. Hein. Moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup l'accent là-dessus. On est dans une dynamique de créativité paysagère qui est bien loin des mouvements de défense des paysages qui, eux, ne font qu'attiser les tensions et retarder un peu par réflexe de conservatisme hein, les transformations pour les populations et pour notre planète. Voilà. Donc, je propose qu'on invente tous ensemble les paysages de la pétrole. Merci Baptiste. Vous avez parlé de paysage humain, j'ai envie de dire paysage humaniste en vous entendant. C'est plein d'humanisme ou plein d'humanité. Et c'est très important, sans doute, effectivement, de rappeler à quel point c'est l'objectif, finalement, de l'épanouissement de l'homme qui guide, en quelque sorte, vos actions et sans doute nos actions plus globalement. Et je pense que ça ressort très bien. Une des forces de votre présentation, mais c'est d'ailleurs globalement toutes les productions du collectif de paysage de la Prépétrole, c'est sa efficacité, sobriété aussi, hein, depuis dans le temps imparti, mais l'efficacité en termes pédagogiques, parce que c'est compliqué d'aborder la question de la transition et la question du projet de paysage est au cœur du sujet de la journée, et vous avez réussi à le faire de façon très claire, très compréhensible, pour tout un chacun, sans langage trop crypté, on va dire, ou trop spécialisé. Et c'est très important, c'est une forme de responsabilité que l'on a en tant que professionnel de l'aménagement, investi sur ces questions-là, que de savoir, en effet, typiquement faire partager les enjeux qui sont liés à la transition énergétique, et pour que les populations, vous avez beaucoup insisté sur le degré d'appropriation par la population de conditions de réussite de tout ça, eh bien ça suppose effectivement d'arriver à mettre les questions de la transition énergétique en mode de compréhension pour tous, ce qui est quand même un des défis extrêmement difficiles et complexes, et vous contribuez de certaine manière à cette clarté, comme d'ailleurs ce matin, au travers des interventions des uns et des autres. Donc c'est cette responsabilité de ne pas être un spécialiste,
mais bien d'être la spécialité de la non-spécialité, de croiser tous les champs sectoriels de l'aménagement. Ça fait partie, d'une certaine manière, d'un savoir-faire qui s'apprend. Et au travers de la question du paysage, on est typiquement sur un champ, effectivement, de la non-spécialité accessible à tous. Voilà. Bon, moi, je partage la plupart de ce que vous dites, hein, sinon, sur le fond, mais je vais me faire quand même un peu l'avocat du diable, parce que je trouve qu'on a un discours un peu irénique, un peu sur les relations entre la transition énergétique et les paysages. Bon, je connais les travaux de Julien Dossier, et j'ai remarqué que dans votre présentation, en dehors de la ville de Sienne, c'était un peu la seule image qui correspondait à une ville, à des villes. Et donc ça, c'est une remarque qu'on pourrait faire. Et donc, si ce que vous avez dit au début ressemble beaucoup à ce qui était dit, par exemple, dans l'utopie de Thomas More, ou bien dans Samuel Butler, R.O.N. de Samuel Butler, c'est-à-dire c'est un peu le retour à des sociétés rurales, disons une certaine forme de société rurale dans laquelle les gens se connaissaient, dans laquelle en fait on pouvait utiliser les ressources locales de manière autonome, etc. Et donc la question c'est, est-ce que c'est à l'échelle des problèmes de la transition énergétique qu'on va rencontrer dans les 30 prochaines années? Parce que dans les 30 prochaines années, d'une part, la plupart des gens, beaucoup de gens habitent dans les villes, donc ça c'est un problème. Donc le problème des villes pose quand même d'autres problèmes que les problèmes de TEPOS ou des choses comme ça au niveau rural. Et d'autre part, la transition, des problèmes, c'est pas seulement qu'il faut changer, qu'on a besoin d'un changement, c'est le problème, c'est qu'il faut le faire vite, dans un temps relativement lourd, dans un temps relativement rapide. Parce que le climat, ça n'attend pas, hein, il ne va pas attendre. Et donc, par exemple, si d'un seul coup on dit on n'a plus de programme nucléaire, on remplace par du renouvelable, tout sur la France entière, on c'est des changements absolument énormes. Donc l'échelle, il y a un problème d'échelle finalement des changements à réaliser qui n'est peut-être pas compatible avec l'utopie d'une société rurale consciente, enfin citoyenne, etc. Et y a un problème aussi qu'on ne peut pas complètement négliger, c'est que compte tenu du temps qu'on a, c'est qu'on fera peut-être aussi beaucoup de choses qui iront dans le sens qui n'est pas nécessairement favorable au paysage, donc dans cette transition énergétique. Si vous voulez, en fait, est-ce que c'est pas finalement la question, est-ce que c'est pas adapté finalement à un type de problématique de la transition énergétique et plus en fait l'autonomie des ressources au niveau rural, au niveau local, etc., des choses comme ça. Y compris quand j'ai regardé le scénario en 2050 sur l'agriculture, on a la région parisienne qui est très aplatie, la partie urbaine qui est... Et puis on a tout l'espace rural autour qui est très développé, pour lequel il y a plein de choses très intéressantes. Donc je ne conteste pas le fait que c'est important de protéger le paysage au niveau rural, puisque c'est l'essentiel, mais il y a aussi quand même le problème de la ville qui doit être posé quelque part. La ville et de la rapidité des transformations à faire, qui vont être massives et pas seulement à l'échelle locale. Je tiens à dire que dans le propos qu'on a tenu, on n'est pas du tout sur la question du retour en arrière, du retour sur les sociétés rurales d'avant, absolument pas. J'ai même terminé sur la question de la dynamique de création paysagère et en mettant en garde les mouvements de défense et de protection. Et puis là, on n'est pas du tout dans une logique de retour en arrière. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire et je crois l'avoir essayé d'exprimer. La deuxième chose, on n'est pas du tout non plus dans la seule logique rurale. Lorsque on parle des facteurs, des fonctions de vie des habitants, on est vraiment dans des fonctions très caractéristiques davantage des milieux urbains, périurbains, etc. Hein, mais ce n'est pas du tout des fonctions spécifiques au milieu rural. Hein. Donc ça, je tiens quand même à préciser ça. Hein. Alors, bon, maintenant, toute la question, qu'est-ce que va apporter la transition sur la question des paysages? Moi, si je parle du paysage humain, c'est parce que, alors c'est une opinion personnelle que je me permets de dire, pour moi, la question des paysages n'est pas uniquement une question visuelle. C'est pas uniquement ça.
C'est une question de comment on vit un territoire ensemble. C'est ça qui est important. Donc je dirais d'ailleurs aussi que c'est pas uniquement... J'ai parlé de la beauté et de la dimension esthétique, mais il n'y a pas... Il n'y a pas que ça. Pas que ça, c'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même le vécu humain et un corps social qui est dans un état de bonne santé. Voilà. Je crois que le travail à mener va aussi dans cette direction. C'est pour ça que lorsqu'on parle du... Baptiste qui me posait des questions sur le rôle un peu et le métier des paysagistes. Moi, il me semble que c'est très, très important de s'adjoindre des disciplines qui sont des disciplines plus de sciences humaines. On ne peut pas traiter, me semble-t-il, les questions du paysage si on ne les associe pas à des questions essentielles de sciences humaines. Voilà un peu ce que je veux dire. Je pense qu'au départ, en fait, l'humain a quitté un peu le monde des animaux. Il y a eu une déconnexion entre humains et animaux. L'homme est un animal, on oublie ça. Donc déjà, on peut revenir à l'esthétique. C'est vrai que l'être humain a des valeurs au-delà. Donc à part qu'à un certain moment, on a évolué, justement, en fait, pour avoir le pouvoir, être autonome, gagner beaucoup d'argent. On peut revenir en arrière sans aller, en fait, c'est vrai que les paysages, dans le match, on parle des tableaux du Moyen-Âge, les tableaux sont très beaux, la campagne est très belle. Donc on peut revenir sur ce schéma-là. Moi, je suis plus optimiste, parce qu'on parle ce matin des grands projets sur Paris. Ils ont maintenant sorti des concours classiques, en fait, en architecture. N'empêche que ce qu'ils veulent faire du bâtiment Morland, et moi, je reste optimiste, malgré que j'ai un certain âge, je suis sûre qu'en fait, ils font un laboratoire qui, en fait, on va restaurer Morland, puisque maintenant, les salariés, tout le monde travaille par ordinateur, on est autonome. Le jour où on aura l'autonomie complète de l'énergie. C'est-à-dire que le bâtiment, on pourra se chauffer avec le photovoltaïque, avec les sources de l'eau. Et moi, je suis là-dessus. Je pense qu'on a d'excellents ingénieurs dans la recherche. La preuve, les États-Unis viennent fonctionner dans les écoles d'ingénieurs chaque fois qu'il y a des promotions qui sortent. Donc, je reste optimiste. Vous avez des bâtiments. Soit en ville, on se regroupe. Avec des bâtiments comme Morland, ils veulent faire un bâtiment où il y a des bureaux, où les salariés sont des salariés nomades. Donc, c'est tout un autre monde qu'on organise. Le problème, c'est le temps. C'est là où je vous rejoins. Est-ce qu'on aura le temps, un jour, de corriger tous nos erreurs? Mais je suis assez optimiste. Il y a les éco-quartiers. Il y aura des gens qui vont faire la choix. Soit, en fait, si on prend, par exemple, le territoire d'Amiens, en fait. Autour d'Amiens, vous avez plein de petits villages qui ont gardé, eux, leur maraîcher, ils vivent, en fait. Il y a des gens qui vont choisir ce mode de vie. Il y a des gens qui vont choisir la ville. Par contre, il faut redensifier la ville. L'étalement urbain est quelque chose d'épouvantable parce qu'on utilise beaucoup d'énergie. Ceci dit, comme je travaille en ce moment au ministère de l'Environnement, mais côté en fait, routier, je travaille sur le 1% paysage sur la route. Je suis optimiste parce que si un jour on peut faire une route qui nous crée de l'énergie là-dessus, on a des laboratoires qui travaillent là-dessus. Peut-être que ça arrivera plus vite. Quand on fait de la recherche, on ne sait jamais combien d'années on prend. Et si la route un jour capte le soleil et font du photovoltaïque, avec des voitures électriques dessus, on peut se déplacer tout en travaillant ceux qui veulent travailler en ville ou ceux qui veulent travailler à la campagne. Donc moi j'anticipe en disant, moi je reste optimiste. Si chaque personne se donne la peine, c'est là où il faut quand même toucher justement de la partie sociale, toucher tout le monde. Les projets ce matin, ce qu'il y a, c'est que justement le maire, s'il avait simplement fait une consultation en amont pour les éoliennes, il n'aurait pas eu ce problème dans le village. Vous avez un territoire, vous avez des êtres humains. Donc il faut simplement parler autour de vous et consulter. C'est le partage. La sobriété, l'humilité, le partage. Et je m'arrête là. Christophe, je suis aménageur. Je fais partie de plusieurs associations de paysage. Oui, ce qu'a dit madame sur l'optimisme me semble très important parce que, en fait, on a dans les milieux écologistes ou paysagistes un discours absolument catastrophiste. Or, ce qui a créé ce qu'on appelle la parenthèse fonctionnaliste, donc qui commence dans les années 30, qui se termine en ce moment, c'est quand même 5 milliards d'habitants de plus. Donc ça pèse. Et ça pèse de façon très positive. Effectivement, ça pèse aussi sur la planète.
Mais finalement, le fonctionnalisme, il a produit 5 milliards d'habitants de plus sur la planète. C'est quand même pas mal. Et donc, on pourrait, plutôt que d'avoir un discours absolument catastrophiste sur ce que ça pèse sur la planète, pour avoir un discours positif. Et je trouve que dans le paysage de la paix pétrole, il y a des bouches de ce discours positif dans la mesure où il n'est absolument pas accusateur de quelque chose. Alors, cela dit, je posais une question à Yves Gorgeuse sur la question de la transition. Moi, la transition, ça me paraît comme un mot qui est plein de culpabilité. C'est-à-dire, au fond, on passe de quelque chose qui était négatif à quelque chose qui est positif. Mais dans le fonctionnalisme, il y avait quelque chose de positif. Donc, cette part-là, il faut aussi en faire le bilan. Et personne ne le fait de façon positive. Pour ça, je rejoins ma dame qui vient de parler sur la nécessité d'être optimiste, mais d'être optimiste aussi sur ce qui a été fait. Et je pense que en faisant les plus et les moins de ce qui a été fait, à ce moment-là, on peut aboutir à quelque chose et finalement fermer la parenthèse sur le fonctionnaliste. Or, en fait, vous la laissez ouverte. Puisque vous dites qu'on est dans la transition. Donc il y a toujours du fonctionnalisme qui continue. Et juste, donc, comment, avec un discours, disons, de culpabilité et un discours catastrophiste, donc comment voulez-vous que la population adhère ? Elle ne peut pas adhérer, puisque c'est un discours qui au fond, nie sa croissance. Alors qu'elle-même, elle a profité de cette croissance. Mais il y a des dégâts, il y a des choses. Mais bon, il faut peut-être refaire la part des choses. Et le discours catastrophiste, il faut le fermer en même temps que la parenthèse fonctionnaliste pour passer à autre chose. Mais je ne sais pas exactement comment le faire. Mais le mot transition a quelque chose d'ambigu. Qu'en pensez-vous ? Nous, on a un slogan qui est le paysage de l'après-pétrole. Mais si on est un peu honnête, on ne se situe pas, on ne va pas se situer entièrement dans un contexte d'après-pétrole. Moi, j'ai plus tendance à dire, alors peut-être, ça dépend à quelle échéance, hein, mais j'ai plus tendance à dire qu'on passe par une période, une phase de cohabitation. Une cohabitation avec un effort et un objectif de se dégager de plus en plus, je dirais, des ressources carbonées, fossiles, voilà, sans rejeter complètement ce qu'a apporté de positif l'approche, l'approche fonctionnaliste. Voilà, j'ai un peu tendance à dire ça. Oui, c'était pour revenir un peu aussi sur cette question d'un certain tropisme ruraliste au sein du collectif. C'est une réalité pour le moment parmi nos membres. Il y a plus de gens qui sont des spécialistes des espaces ruraux que d'urbanisme. On en est conscient et on a envie de le corriger. Néanmoins, c'est aussi dans les débuts de nos travaux. Hein, le collectif existe que depuis même pas, ça fait un an. On a eu envie aussi de combler un certain défi de représentation sur l'espace rural. Vous tapez ville verte, ville du futur, vous tombez tout de suite sur tout un tas de représentations qu'on peut d'ailleurs critiquer parce que souvent l'humain n'est pas à sa place, on est dans des délires très high-tech. Néanmoins, ces représentations, elles ont le mérite qu'on peut se projeter dans ce monde-là, et donc c'est comme ça qu'on a eu ce parti pris, et puis il y a aussi une opportunité de commencer par travailler peut-être plus, par se poser la question de paysage d'après-pétrole, à quoi il pourrait ressembler si on s'intéressait au rural et aux espaces de production agricole. Et alors, effectivement, l'irénisme nous guette peut-être, mais je tiens à dire qu'au sein de notre collectif, il y a des courants contraires, et dans cette revue, dès l'introduction, on a un premier article écrit par Marc Verdier, enseignant en architecture à l'École nationale de Nancy, qui a son article, c'est « Si les paysages de la pétrole n'arriveraient jamais ». Et sa première phrase, c'est « Nous ne croyons pas que l'ère du pétrole soit terminée ». Alors, ceci pour dire qu'on se pose cette question des fois, si
prend le parti pris d'essayer plutôt d'aller valoriser, comprendre les démarches et méthodes des territoires où une approche paysagère a permis de produire du mieux. Peut-être que effectivement, faudrait plutôt s'intéresser à ressemblerait nos territoires si les dégâts et les incohérences qu'on connaît se poursuivaient. Donc bon, il faut peut-être essayer de conjuguer les deux démarches. Ce qui peut être pour nous une certaine forme de sécurité, c'est d'essayer de s'appuyer sur des scénarios éprouvés, parce que quand on est à une micro-échelle locale, effectivement, des fois, que savoir la juxtaposition de toutes ces micro-expériences locales, qu'est-ce que ça donne au niveau macro, c'est difficile. Donc c'est là que, par exemple, le travail de partenariat qui s'est fait avec ce scénario after, qui est un scénario éprouvé, basé sur des approches ingénieriales, on sait que là, on s'appuie sur des choses qui, en termes de flux, et de chiffres, ont leur cohérence. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faudrait faire en essayant de faire un peu le pendant, peut-être avec le 5 mégawatt, peut-être en travaillant davantage avec des gens qui pensent la ville de demain. Juste un mot qui va faire le lien avec, sûrement avec Yannick Ragnier. Parce qu'on travaille sur les questions de transition énergétique de territoire. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans son territoire. Parce que ce qui me semble essentiel sur la question de transition énergétique, c'est les échanges et toutes ces géométries variables qui organisent les questions énergétiques. Je citais le Midi-Quercy. Le Midi-Quercy, pendant longtemps, n'a pas réussi à travailler avec Montauban. Il y a 5000 voitures qui passent tous les jours du pays Midi-Quercy jusqu'à Montauban. Donc la question, par exemple, du déplacement, c'est une question absolument essentielle. Ils n'ont pas réussi à travailler avec Montauban pour des raisons politiques. Mais j'insiste beaucoup sur la question des échanges, du travail d'échange entre les territoires correspondant, je dirais, aux territoires de vie des gens. Voilà. Et ça me paraît. Et toute la question de la relation, notamment rurale, urbain, je dirais, rural, périurbain, périrural et urbain, hein, toute cette question d'échange et de coopération dans ces géométries un peu variables me semble être essentielle. Parce que sinon, il y a un risque d'enfermement et de concurrence entre les territoires.